30 personnalités ont décidé de s'adresser à vous grâce à Marc-Antoine Lebret. Candidat, le jeu! On cherche un comédien, chanteur et écrivain. Ah oui, on salue les dom-tom. Top, j'étais dans le cœur des hommes, mais je ne suis pas un pacemaker. Je suis Marc Lavoine. Marc Lavoine! Marc Lavoine, en concert, au cinéma ou au théâtre, il est comme la Matmut. Il assure! Il assure! Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. Sur ce plateau, ce soir, du talent, du charisme, énormément de beauté, mais assez parlé de moi. Marc Lavoine, quand on voit ses films, on se dit que c'est vraiment un super chanteur. Non, je déconne, merde, il est super fort. Bonjour. Bon, Marc Lavoine, j'ai vu que vous luttez contre l'illettrisme. Donc merci pour ce que vous faites pour l'équipe de France. Cher Marc, concernant l'illettrisme, rappelons... Ah, ça marche toujours, Stéphane. Hein. Rappelons que quand on ne comprend pas ce que vous écrivez, vous êtes illettré. Et quand on ne comprend pas ce que vous dites, vous êtes Yann Moix. Oh non. Hey, monsieur Lavoine, vous avez chanté « J'ai tout oublié » et vous avez écrit « L'homme qui ment ». Vous aussi, vous avez été interrogé dans l'affaire Clairstream. Monsieur Lavoine, je vais venir voir votre pièce, Le Poisson Belge, avec la totalité des adhérents du MoDem. Merci de me réserver 5 places. Salut, salut, toi. Marc, je me demandais, un poisson belge, est-ce que c'est un poisson français qui voulait payer moins d'impôts? Salut, tu vas bien? Bonsoir, mon conseil, allez voir la pièce de Marc Lavoine si vous n'avez rien à faire le week-end. On souhaite donc un bon spectacle à Claire Chazal. Marc Lavoine, dans votre pièce, vous faites face à un être capricieux qui remet en cause tout ce que vous êtes. Alors, ça fait quoi de rencontrer Monsieur Bolloré? Ouh là là! Écoutez, je suis quant à moi! Époustouflé! Par le talent de Marc Lavoine qui nous en a tant appris sur le cœur des hommes, n'est-ce pas, mon cher Philippe? Eh, Nelson, en vrai, le cœur des hommes, il est dans leur slip, hein. Et moi, quand je vois Léa Salamé, je peux dire que mon cœur, il bat super fort, hein. Oui, je... bonjour. Question coquine. Sur 100 françaises, combien rêvent de coucher avec Marc Lavoine? Dans le cas de ma femme, 100%. Hé, hey, Marco, ma petite beauté. Ça va, mon chéri? Ah, Cyril. Ça va? Très bien. Hé, hey, Baba, sans déconner, hey, viens dans mon émission. Viens dans mon émission, Marc, parce que Gilles Verdez, il va te déchirer comme Yann Moix, mais au moins, il dansera un zouk avec toi. Ah, c'est magnifique. Alors, moi, j'adore Marc Lavoine. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il me fasse comme Léa Salamé avec Cambadélis, qui me dégringue, qui me démonte, je finisse en pièces détachées. Ok, bonjour, au revoir, enchanté, on se parle plus tard. Laurent, toi et moi, on est pareil, parce que toi, t'es né le 6 août 1962, et c'est dingue, parce que moi, je suis né aussi. Ok. Ce que je disais, je ne sais plus, j'aime la vie. Attends, Marc Lavoine, je l'adore. Parce qu'il est toujours cool. Ouais. Parce qu'il est toujours cool, et comme moi aussi je suis cool, bah, ça nous fait une sacrée paire de cool. Oh non. Pas lui. Marc Lavoine, j'adore. Il a la puissance vocale du caribou et la sensibilité de la moufette. C'est canon, cannonball. Il sort, j'achète. Il sort, j'achète. Marc Lavoine. Oh non. Pour terminer, dans votre pièce, vous faites face à quelqu'un qui vous énerve en posant énormément de questions agaçantes. Si vous voulez savoir ce que ça fait dans la vraie vie, je peux vous présenter Michel Onfray. C'est pas ça. Bon, allez, vous pouvez quand même applaudir Marc-Antoine Lebret. Bravo, Marc-Antoine. Marc.
Marc-Antoine Lebret qui viendra de temps en temps nous voir dans On n'est pas couché.